Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog déco. Donc là aujourd'hui on est le 6 mars et on va s'occuper un petit peu du bureau et de la cuisine. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour le bureau, j'ai reçu ma chaise de bureau et on va arranger ça en fait. Et dans la cuisine, on a terminé la crédence, la cuisine est quasi terminée, il me manque peut-être deux petites décorations. Et c'est fini. Donc là, finalement, j'ai commandé en fait pour ici le meuble de le meuble de chez Ikea. Donc ça va être super beau. J'ai envie de me taper un délire de fou à ce niveau-là en fait. Et on verra ça plus tard, je pense, dans le prochain vlog déco. La livraison est prévue pour mi-mars. On verra bien. Bon, j'ai un doute pour la date de livraison, mais c'est pas grave. Donc peut-être que dans le courant du mois de mars, voire début avril, vous aurez un nouveau vlog déco. Donc là maintenant, on va s'occuper de monter la chaise et puis on voit le reste après. Ouais, elle est bien jolie cette chaise, elle a bien été chiante à monter, mais ça va, je suis contente. Alors ensuite, j'ai acheté ces petits range-crayons, voilà, trop mignons, donc avec le chat, j'adore ce style. Du coup, j'en ai pris deux et on va les installer là sur le bureau. Parce que ça, le petit truc en bois là, ça me plaît pas, je préfère ça en fait. Voilà, donc je l'accrocherai certainement au grillage qu'il y aura à ce niveau-là. Mais ça, je vais le mettre de côté. Du coup, comme ça. Là du coup je vais me servir de cette petite boîte. Est-ce que ça ferme? Pas du tout, donc non, c'est mort. Pour mettre tout ce qui reste là, bon, on va les mettre dans le coin là. Ouais. Et ça je peux ranger. Et ça aussi. Et ça aussi. Donc là on a terminé avec le bureau et maintenant on va s'occuper de la cuisine. Alors là on se retrouve dans la cuisine, donc on a fini tout ce qui est crédence et comment il appelle ça, mon chéri? Pour le passe-éponge, en fait. Voilà, donc tout le long. Donc, on a eu vraiment beaucoup de mal à se décider. Donc, finalement, on a pris un carreau au niveau de la hotte et on a mis deux carreaux au niveau de l'évier, là. Et tout le reste, en fait, on est allé chez le menuisier, on a fait couper des lattes de chêne, donc assorties à la cuisine, de 7 cm de haut et d'un centimètre d'épaisseur pour que tout soit bien nickel. Donc là, hier soir, on a posé les plinthes. Maintenant, il faut que j'enlève les cales. Donc, je vous montre ça après. Thank you.
Donc voilà ce que ça donne de loin. Maintenant, je vais tout remettre en place. Je vais donner un petit coup de chiffon. Et ça sera terminé. Il me manquera peut-être à ce niveau-là et à ce niveau-là deux petites décorations. Mais sinon, c'est tout. Voilà, c'est tout pour la cuisine. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Mis à part le bordel là sur le côté. Moi, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien le rendu. Alors après, sinon, au niveau des carreaux, on a pris ça. Ce sont des carreaux un petit peu dessinés, en fait, avec le dessin effacé. On voulait que ça fasse un petit peu vieilli, pas trop moderne, pas trop brillant. Et on a pris des bords rectifiés. Mais sur les côtés, si vous voulez, on a peint un petit peu en noir mat. Voilà, juste pour donner un petit effet, parce que sinon, c'était beige et c'était pas joli. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, voilà, voilà ce que je voulais pas. Je ne voulais pas mettre ce petit morceau de carreau à ce niveau-là, mais ils étaient tous contre moi, j'ai rien pu faire. Donc, je sais que pour la propreté, c'est clair que c'est mieux qu'il y soit, mais esthétiquement, franchement, la séparation... Donc, bref, à ce niveau-là, j'ai perdu, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Voilà, et au niveau de l'évier, du coup, on a mis deux carreaux à côte à côte. Avec vraiment sans joint pour que ça fasse un petit peu comme s'il n'y en avait qu'un. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le résultat. On était tellement indécis en ce qui concerne la crédence qu'on a mis beaucoup de temps en fait pour choisir. Et voilà, ben finalement on est content. Je crois que c'était notre première idée de faire. À la base, on voulait faire, je crois, tout en bois. Mais après, on s'est dit que ça allait faire trop. Et puis, on a vu ce carreau, on a dit qu'il irait trop bien avec la plinthe en bois. Franchement, moi, j'aime trop. Donc voici ce que ça donne, là j'ai tout remis en place, là toutes ces plantes qu'il y a à ce niveau là, en fait à un moment donné je vais en enlever dès qu'on aura le meuble du salon, c'est pas pour le moment de toute façon, c'est sûr, mais là j'avoue que ça fait un petit peu bordélique quand même, et c'est pas terrible quoi, mais voilà, sinon est-ce que vous avez vu la plante de mon voisin qui repart? Regardez ça, regardez comme elle va mieux. Là, elle est en train de me dérouler deux feuilles bien. Et celle-ci, elle commence à peine. Sinon, en tout, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, vu dans quel état elle était, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la cuisine. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi au niveau de celle-là, la plante, parce que la table, du coup, là, les traces, c'est parce que c'est mouillé. Hein. Du coup, la table, on peut la bouger pour quand on a du monde. Donc, du coup, en fait, elle n'est pas fixée au plan de travail. Voilà, elle n'est pas collée. Et elle n'est pas collée non plus au mur. Alors, pour la plante, mon chéri a fait un espèce de système. Du coup, elle est juste... avec des pattes, voilà, on n'a plus qu'à l'enlever quand on veut la mettre. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Moi franchement, j'aimais vraiment mieux sans le carreau. Hein. Le petit liseré blanc en dessous de la haute, en fait, la séparation, ça faisait moins compact. Je suis tellement déçue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et la démarcation, ça ne plaît pas, mais du tout. Bref. Donc, ouais, voilà. Là, il y a beaucoup trop de plantes. C'est pas très joli. Ça, ce sont des boutures en cours. Donc, ça va pas rester là. Ça, mon chat boit dans un bocal. Cherchez pas à comprendre. Elle ne boit pas dans sa gamelle. Donc, du coup, je vais remplir un bocal. Là, elle est contente. Vu qu'elle buvait dans mon autre bouture... je me suis dit qu'un bocal vide, ça serait mieux. Ouais, donc voilà, là je suis contente, ça a un petit peu avancé au niveau de la cuisine. Franchement, il reste vraiment deux petites bricoles
Et c'est complètement terminé. Par contre, le reste de la maison, c'est loin d'être terminé. Le jardin, on commence à peine. Donc là, je vous ai mis en ligne déjà un vlog déco. Du coup, il va y en avoir plein. Je pense même qu'il y en aura plus, qu'il y aura peut-être plus de vidéos par semaine, parce que du coup, dès que je suis dans le jardin, je filme. J'aime bien voir la progression et c'est cool, c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog déco vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo.